Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec vous et également avec notre invité que vous allez découvrir. C'est un acteur engagé que l'on pourrait considérer comme un catcheur cathodique, si vous me permettez l'expression, vu la force avec laquelle il s'apprête à tordre le cou aux préjugés. Durant toute sa carrière, ce comédien a porté dans ses films certains messages extrêmement forts auxquels vous ne restez pas forcément insensible, que ce soit d'ailleurs dans Dieu merci, La première étoile ou encore dans Il a déjà tes yeux. Et c'est justement de ce fameux film, ce dernier film dont nous allons parler aujourd'hui, puisque notre invité a évidemment décidé de le décliner dans une série pour France 2 où l'histoire d'une famille haute en couleur va nous émouvoir d'une certaine manière. Lucien Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. France 2, je le disais, c'est Il a déjà tes yeux. Ce mercredi soir en prime time, les deux premiers épisodes, il y en a six. Oui. Au total, une fiction que vous avez écrite, réalisée, dans laquelle évidemment vous jouez co-écrite également. Co-écrite avec Sébastien Mounier, c'est très important, parce que six épisodes tout seul, j'aurais pas pu. Co-écrite, c'est corrigé. Vous êtes également dans le rôle du père de deux enfants. L'un est votre fils biologique, l'autre est un enfant adopté blond aux yeux bleus, un peu comme moi finalement. Oui, tout à fait, voilà. Eh bien, si on fait une suite, je ferai appel éventuellement, à vos services. Éventuellement, je pourrais postuler. Voilà. 12 ans plus tard. 12 ans plus tard, oui. À quelques heures de la diffusion de votre bébé à la télévision, dans quel état d'esprit vous êtes? Écoutez, pour l'instant, tous les voyants sont au vert, donc on espère que ce soir, la France sera, les téléspectateurs de France 2 seront sensibles à cette belle famille, à cette belle histoire qui les concerne. C'est pas juste une histoire de rapport noir-blanc, c'est on a vraiment voulu avec Sébastien Mounier, s'amuser avec cette famille, essayer de mettre en avant toutes les problématiques que peuvent avoir les familles françaises. Et le fait de passer d'un long métrage à une série en six épisodes. Sur le service public, c'est quoi? C'est une étape de votre vie artistique, d'une certaine manière. Vous savez, vous parliez de catcheur, je suis un ancien lutteur, et c'est vrai que là, on était au combat, parce qu'effectivement, moi, j'ai l'habitude de faire des longs métrages, 1h30, 1h40, et puis là, me retrouver avec 5 heures de programme, ça a été, ça a été très difficile. Oui, et puis en plus, il y avait des enfants, des noirs, des femmes, c'est le bordel. Non, non, il y avait un peu d'humour. Non, c'est vrai qu'avec des enfants et tout ça, et c'est vrai qu'avec Sébastien Mounier, le co-scénariste, on a écrit, comment dire ça, on n'écrivait pas télé. On s'est dit, bon allez, on écrit, on s'éclate. Et puis d'un seul coup, quand on s'est retrouvé avec les réalités de production, le problème de production, à la télé, t'as moins de temps, moins d'argent. Donc il fallait faire rentrer tout notre imaginaire dans le format télé. Combien de temps ça vous a demandé de la genèse à la mise à l'antenne de... Deux ans et demi à peu près, deux ans et demi. Oui. Et il y a eu 64 jours de tournage, voilà. Voilà, sans s'arrêter, c'était... Voilà, parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'au cinéma, je veux dire qu'on tourne en moyenne 2-3 minutes par jour, et à la télé, c'est 6-7 minutes, donc là, il n'y a pas le temps pour les blagues. Pas le temps, c'est la productivité, on va dire. Voilà, il faut du rendement. Il faut du rendement, nous sommes en direct avec notre invité, Lucien Jean-Baptiste, je vous le rappelle, sur le Buzz TV, Figaro Live, diffusé sur le figaro.fr également, la page Facebook de TV Magazine. Est-ce que vous êtes heureux de découvrir ce soir cette déclinaison à l'antenne de son long métrage? Est-ce que vous aimeriez voir également plus souvent, d'ailleurs, Lucien Jean-Baptiste sur le petit écran? On l'a notamment vu, c'est encore cette saison d'un Munch sur TF1. Dites-nous tout et en attendant, Lucien, je vous propose qu'on découvre ensemble les news médias du jour et c'est avec Damien Canivez. Damien Canivez le disait en aparté, il y a du lourd. Il y a du très lourd aujourd'hui. Pour ouvrir ces news médias du jour et rendez-vous traditionnel, on commence par les audiences de la veille à la télévision. Effectivement, alors aujourd'hui, c'est la fiction française qui culmine au sommet de la montagne des audiences. France 3 a dégainé un téléfilm inédit intitulé Le Canal des Secrets et cet unitaire porté par Aurélien Vic, que vous connaissez bien et que nous recevions hier sur ce plateau, a fédéré près de 5 millions de téléspectateurs, 23,1% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 1,4 million de téléspectateurs de plus que TF1 qui misait sur l'épilogue de la première saison de Magnum avec Jay Hernandez. Est-ce qu'il n'a pas la moustache, il faut le souligner. France 2 monte sur le podium avec une rediffusion des pouvoirs extraordinaires du corps humain consacrée cette fois-ci à l'hiver, toujours portée par Adriana Carambeu et Michel Simès. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium. Il s'agit de Qui veut être mon associé, l'émission présentée par Julien Courbet, qui malgré des scores en hausse sur cible, signe une légère baisse avec 1,6 million de téléspectateurs, 8% du public. J'espère que vous aimez les chiffres.
c'est très impressionnant, hein. 23%, je suis content pour Aurélien. C'est fort. Et puis, je suis content pour le groupe France Télé qui est régulièrement battu par TF1. Donc, voilà, ça rééquilibre les choses. C'est très bien de se partager comme ça les audiences. C'est très vrai, bien. C'est assez équitable. C'est dit gentiment. Non, c'est vrai, Aurélien, sincèrement, en tout cas. Aurélien Wick, dont on parlait un instant, il était notre invité hier sur ce plateau. Il estimait que la créativité se trouve aujourd'hui à la télévision, qu'au cinéma, finalement, on tournait de plus en plus en rond. Bon, ça lui appartient. Moi, je crois qu'elle est, elle est partout. Non, je peux pas. Moi, je peux pas avoir des grandes affirmations en disant qu'au cinéma il se passe rien. Ça dépend aussi vous savez que vous en êtes dans votre carrière, tout ça. C'est pas simple. Mais je crois qu'il y a, pour moi, très sincèrement, autant de créativité au cinéma qu'à la télé. Voilà. Après, moi, en tant que comédien, il est vrai que bizarrement, la télé m'a offert plus de rôles que le cinéma. Voilà, c'est ce que je pourrais dire dans cette comparaison. Après, au niveau artistique, non, au cinéma, il y a quand même des choses très, très, très sympas qui se font, et notamment en France, territoire où on a encore un beau cinéma, il faut le défendre. De belles productions. On poursuit ces infos médias avec une rumeur folle selon laquelle Cyril Hanouna pourrait se présenter à l'élection présidentielle. Quand je vous disais qu'il y avait du lourd, maintenant que ça arrive. Alors, pas besoin de vous ruer sur votre écran d'accueil de votre smartphone. Nous sommes bien le 12 février, nous ne sommes pas le 1er avril. Et ce n'est pas un canular. Nos confrères de BFM TV ont effectivement rapporté hier matin que des membres du gouvernement et des proches du président de la République redoutent une candidature inattendue pour la course à l'Élysée qui se tiendra en 2022, un peu comme ce fut le cas finalement de Coluche en 1981. Alors, et le nom qui revient le plus souvent, selon les sources anonymes de la chaîne d'information continue, eh bien c'est celui de l'animateur de Touche pas à mon poste. Il faut une communauté, des gens qui vous suivent. Cyril Hanouna a cette force de frappe, il peut mobiliser massivement sur les réseaux, il est l'un des rares qui parle à la diversité dans ce pays. Voilà ce qu'a déclaré un ministre sous couvert d'anonymat. Et très vite, le visage du groupe Canal a tenu à réagir sur l'antenne de CNews, indiquant qu'il ne s'était jamais posé la question. En revanche, est-ce qu'il a nié sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle? Pas du tout, pour l'instant il ne s'est pas exprimé à ce sujet. Cyril Hanouna, candidat à la présidentielle, ça vous inspire quoi? Pas grand-chose, mais ça marche avec notre temps, c'est dans l'air du... C'est notre époque, quoi. Allons-y, pourquoi pas, un de plus. Voilà, non, et puis c'est un bon coup de com', c'est bien, là, ça fait une belle promo pour C8, puisqu'on en parle. Bravo Cyril. Vous pourriez voter pour lui? Non, la politique, c'est quelque chose de sérieux. Il ne faut pas déconner quand même. Voilà. Le mot est dit. On termine ces news médiales avec une information importante, le prochain concert des Enfoirés. Exactement, TF1 a officialisé la date de ce grand spectacle caritatif qui se tient chaque année au profit des Restos du Cœur. La célèbre troupe initiée par Coluche donnera de la voix le vendredi 6 mars à 21h05 sur TF1. Donc, alors baptisé cette année le Paris des Enfoirés, cette soirée enregistrée en janvier à l'Accor Hôtel Arena de Paris sera rythmée par 46 personnalités issu du monde du spectacle, avec son lot de petits nouveaux, comme chaque année. L'humoriste Inès Reg, notamment, que vous vous souvenez, avec ses fameuses moulures au plafond, sera de la bande. Le chanteur Black M, Vita, l'ex-talent de The Voice, Maël également, tout comme la comédienne Elena Noguera. Alors, comme toujours, cette fête se composera de sketchs, également de chansons, de reprises, le tout derrière un décor assez époustouflant. Et pour rappel, ce concert reste l'événement le plus suivi de l'année, si l'on met de côté le football. L'année dernière encore, la bande a rassemblé 9,4 millions de fidèles, 44% de part d'audience. On en parle souvent tous les matins au niveau des audiences et des scores qu'on n'annonce plus jamais en fait en télévision. Lucien Jean-Baptiste, ça vous dirait de faire partie de la bande, d'être invité par la bande des Enfoirés? J'irais maintenant, où ce qui est malheureux, c'est que c'était un projet provisoire, il me semble, et que je ne sais pas, ça fait combien d'années plus de 20 ans. Nous y sommes encore, voilà, mais effectivement, si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre, on m'appelle, voilà, je le ferai avec beaucoup de plaisir et d'honneur. C'est un événement que vous suivez, vous regardez? De temps en temps, comme ça, ça fait partie du patrimoine maintenant. Je veux dire, il n'y a pas... Mais moi, si vous voulez, je rallie ça tellement au Resto du Cœur que, voilà, l'idée du concert en lui-même, tout ça, la fête, bon, c'est une chose, mais c'est vraiment la problématique des Restos du Cœur et il faut donner des sous. Voilà. L'héritage de Coluche. Oui, l'héritage de Coluche, c'est très important. Merci Damien, merci pour ces news médias et tout de suite Lucien Jean-Baptiste, place à l'interview du Buzz Télé. On l'a dit en ouverture de cette émission, France 2 donne le coup d'envoi, c'est ce soir en prime time, il a déjà tes yeux, ce mercredi, donc en première partie de soirée, une fiction que vous avez écrite, co-écrite, réalisée, important. Dans laquelle vous glissez dans la peau d'un papa de deux enfants. Je rappelle, le premier est un ado blond aux yeux bleus que vous avez adopté, le deuxième est à votre fils
biologique. Déjà, pourquoi avez-vous décidé de décliner ce film en série? Alors, tout d'abord, parce qu'on me l'a demandé, tout simplement. Et parce que moi, au départ, bon, l'idée des suites, les trucs un peu marketés, comme ça, on a fait un carton, on va faire la suite. C'est pas du tout, je fais pas mon métier dans cet état d'esprit-là. Donc, moi, j'étais déjà parti sur l'écriture de mon prochain long. Et en fait, mes producteurs, les producteurs du long métrage, et aussi Yvan Sadik, j'ai oublié le nom de la boîte de prod, ouais, mais ça va me revenir, sont venus vers moi et m'ont dit, ce serait pas mal, voilà, de décliner ça. Et il est vrai que j'avais pas beaucoup d'idées. Alors on s'est réunis avec Sébastien Mounier et on a réfléchi et on a eu l'idée du premier épisode assez rapidement. Et puis alors là, après, on est parti. Et il est vrai, comme je suis quelqu'un de bavard, eh bien je me suis dit 5 heures, c'est bien, ça va être pour pouvoir dire tout ce que j'ai à dire. Ça devrait aller. Une déclinaison, c'est pas casse-gueule d'une certaine manière? Oui, c'est pour ça que vraiment, on s'est donné un temps de réflexion parce qu'on voulait pas du tout que ça sente le truc marketing, le truc utile, enfin voilà, uniquement pour... Le 2, le 3, le 4. Voilà, ouais. Voilà, on voulait pas rentrer là-dedans. Donc il a fallu, c'est pour ça qu'on les retrouve 13 ans plus tard, et puis se donner la possibilité, voilà, d'y intégrer des choses sincères, des choses personnelles, parce que moi, tous mes projets, j'essaie d'y mettre des choses autobiographiques, là notamment l'absence du père, comme j'ai jamais connu mon père, voilà, je l'ai ressuscité, voilà, et donc avec ça, avec des éléments comme ça, eh bien on peut proposer au public quelque chose de plus sincère et de profond que l'idée simplement marketing, d'aller, qu'est-ce qu'on va faire, une suite comme ça, allez, on imagine, voilà, donc... On a réussi à trouver des éléments pour faire 6 épisodes. Damien, première question, oui. Réaction de nos amis internautes. Effectivement, Philippe, nous sommes comme tous les jours en direct sur la page Facebook de TV Magazine. On a déjà quelques réactions. Alexandre, une question très intéressante qu'on posera un peu plus tard. On salue Samir qui est avec nous, Césaï qui est également là. Et on va poser une question de Solène qui remarque que dans vos films, ouais, vous avez tendance à parler de votre vie. Est-ce que d'une certaine manière, c'est une forme de thérapie? Oui, complètement. Bravo, ouais. Solène. Tu as complètement raison. Il y a encore, je ne sais plus qui a dit ça aux Oscars, Bong Joon-ho, il a dit que de projet personnel, ouais, venait la créativité, quelque chose comme ça, une phrase qui était de Martin Scorsese. Et donc, il est vrai que moi, je m'exprime avec mes couleurs, mes petites histoires, et j'espère en tout cas arriver à quelque chose d'universel. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, donc je vais continuer comme ça. Voilà, jusqu'à ce que ça aille mieux, que je sois guéri. Dans le film, votre personnage Paul et votre épouse Sally adoptaient un enfant blond aux yeux bleus. Mm-hmm. Également, dans cette adaptation télé, on retrouve la famille dont vous l'aviez dit 13 ans. 13 ans plus tard. Plus tard, comment vous la qualifieriez, cette famille? Oh, une famille française. Voilà. C'est quoi, une famille française? Non, c'est vrai. Et c'était un titre de travail. Je voulais associer Famille Formidable avec Village Français. Ouais. Et bon, alors c'est vrai que ça tapait un peu fort. Les producteurs ont dit, on va peut-être tuer. Mais c'est vrai que c'est vraiment une famille française. Et tous les problèmes qu'ils ont, vous savez, je voulais pas rester bloqué sur le rapport noir-blanc. OK, bon, une fois qu'on l'a dit, c'est bien. Mais non, après, il faut avancer. Et ce que j'aime, c'est l'universalité de cette famille, les problèmes qu'elle a. Par exemple, Sally, elle a le problème de nombreuses femmes en France, retrouver du boulot après 2 enfants, etc. Et puis les problèmes de filiation, de transmission, aujourd'hui les questions qu'on peut se poser sur la famille. Avant il y avait le dogme, il y avait plein de choses qui distribuaient les cartes. Et aujourd'hui, bah, voilà, il va falloir arriver à se faire sa petite famille voilà, avec beaucoup d'intelligence et d'harmonie, parce qu'aujourd'hui il est vrai qu'avec les familles recomposées, tout ça, c'est pas évident de s'y retrouver. Et finalement leur vie n'est pas si différente des autres familles. Non, pas du tout, voilà, donc c'est vraiment une famille française. J'aime famille bien française. Ouais, j'aime bien. Damien. Allez, on salue Mickaël qui vous adore, hein, ainsi qu'Aïssa Maïga. Ça, c'est un message de Mickaël sur la page Facebook de TV Magazine. Et on va prendre une question de Sylvain qui souhaite savoir si ce n'est pas trop dur de parler à la télévision de communauté. Parce que c'est vrai que c'est assez, c'est un terrain assez glissant, hein, dès lors qu'on fait de l'humour un petit peu, qu'on pointe du doigt une communauté, c'est comment son prénom ? C'est Sylvain. Sylvain, ouais. Sylvain, y a rien de glissant, il y a rien de, ouais, tout va bien. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. Je vais vous donner un exemple. Quand moi j'ai fait La Première Étoile, mon premier long métrage, tout le monde dit « Ah, une famille de noirs qui va au ski, une famille de noirs qui va au ski ». Mais moi, ce n'était pas ça du tout. Moi, c'était un père de famille qui devait apporter du rêve à ses enfants. Et une fois de plus, j'avais mis en avant l'aspect paternel des choses, parce que n'ayant jamais connu mon père. Donc, j'ai imaginé un père nul, mais présent. Vous voyez, donc je suis complètement dans le social. Après, les gens, bon, ils voient la couleur. Oui, alors je suis pas idiot. Il est vrai qu'une blonde prof de maths, ça fait rire. Des noirs qui vont au ski, ça fait rire. Il y a des équations comme ça. Là, on est sur des clichés, etc. Donc, mais moi,
ce qui nourrit le récit, comment je vais raconter mon histoire, c'est pas du tout la couleur, je m'en fous. C'est l'authenticité. Comment tu fais quand t'as pas d'argent? On est dans le social. Comment tu fais quand t'as pas d'argent et que t'as promis à tes enfants de les emmener au ski? Vous voyez? Donc cette série, c'est la même chose. Alors oui, effectivement, on n'est pas idiot. Le couple de noirs qui adopte le bébé blanc, ah, bon, voilà. Mais à partir de ce moment-là, c'est quand même un enfant, à la fin de l'épisode 1, qui veut retrouver ses parents biologiques. Et là, on est dans une problématique universelle. Donc c'est pour ça, je redis à l'internaute, il n'y a rien de glissant à partir du moment vous faites les choses avec cœur et sincérité. Voilà. Et moi, je ne suis pas du tout... Alors oui, on attribue communautaire, mais ce n'est pas du tout mon discours. Oui, parce que le sujet de votre série, finalement, ce n'est pas la couleur de peau. Non, vous du tout. Vous l'utilisez, mais du en tout. Fait, c'est voilà. Comme vous dites, une famille française. Et par là, par ce prisme, j'essaie de dire aux gens, arrêtez de vous bloquer sur la carapace, mais ou sur l'emballage, voilà, la blonde, vous voyez, tous ces paramètres qu'on donne comme ça, tous ces préjugés, clichés. Des clichés, voilà. Quand même. Donc, moi, je suis là pour essayer de faire évoluer les imaginaires et surtout qu'on ne s'arrête pas à la première image. Voilà. Si vous deviez convaincre, imaginons, hein, soyons fous, convaincre votre père de regarder ce soir cette série, vous lui diriez quoi? Ben, je t'aime. Voilà, regarde, je t'aime. Pas d'explication supplémentaire. Non, non, c'est tout, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme de plaidoyer quand même au travers de cette série pour la différence et contre l'indifférence, justement? Oui, mais vous savez... Moi, quand je prends, il y a deux choses. Il y a Malcolm X qui a dit par tous les moyens, by any means necessary. Comment vous dites en français? Tous les moyens sont bons. Si vous voulez. Et puis vous avez Martin Luther King qui lui disait, quand il plaide la cause de la communauté noire américaine, il plaide pour l'humain. Moi, c'est pareil. Si vous voulez, à partir du moment où je vais parler d'une problématique raciale ou parler d'une minorité, j'espère que ça va éclairer aussi d'autres problématiques liées à d'autres gens qui ont des problèmes du fait de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur genre, etc. Donc voilà. Et surtout, j'essaie d'apporter, de mettre la question sur la table, voilà, qu'il y ait un débat. Parce que moi, j'ai pas vraiment de solution. Mais j'aimerais simplement qu'on arrive à parler tout ça avec beaucoup de calme et de sérénité. Ouais. On est dans un beau pays, ça va. Ouais. Il y a des problèmes, mais je pense qu'on est encore dans un pays où on peut en parler tranquillement. Et parfois même avec humour. Dans la série, votre personnage explique qu'il n'a pas connu ce père comme vous. Hein. Est-ce que Paul, votre personnage, en fait, est très largement inspiré de votre histoire? Oui, en partie, je mets des ingrédients, c'est important. Les points communs que vous partagez avec lui, par exemple? Oui, bah, les points communs, bah, c'est je suis un bobo. j'ai pas de magasin de fleurs, mais oui, vous voyez, je dirais il a pas les attributs, le fameux cliché, tout ce qu'on peut attribuer à un homme noir aujourd'hui. Voilà, il court pas vite, il joue pas au football, il est pas rappeur. Alors, est-ce qu'il est noir encore? Bah oui. Donc, après, pour le rapport au père, il y a des choses qui me ressemblent. Moi, il est vrai que j'ai fait cette démarche d'aller aux Antilles, essayer de rencontrer mon père, comme je le mets dans le film, voilà, et puis bon, ben, culture différente, etc., il y a des choses, voilà, que je ne comprenais pas, et puis après, oui, il y a des choses, tout ce qu'on voit, des détails, par exemple, comment je nourris, si vous regardez bien la série, vous verrez, il n'y a pas de boîte, voilà, j'essaie de, parce que je savais que je rentrais chez les gens, et j'ai envie de dire aux gens, essayons de, même sur l'alimentation, d'être sur du naturel, alors vous allez voir des belles tartines avec du beurre, c'est ce que je fais à mes enfants, j'ai dit, non, on n'ouvre pas des boîtes le matin, non, il y a du pain, du beurre, de la confiture, voilà, des petites choses comme ça, voilà, qui me rapprochent de ma vie, donc c'est vrai que je suis un peu papa poule, dans cette série, comme je peux l'être dans la vie. Voilà. Damien. Alors, c'est vrai qu'un film qui met sous le feu des projecteurs des communautés, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et Géraldine souhaite savoir sur Twitter ce que vous pensez de ce film. On sait qu'il est assez clivant. Parfois, oui, mais, certains pensent qu'il est raciste, d'autres pensent qu'il est justement drôle et que, voilà, on se sert aussi des communautés pour faire. Je reprends la réponse d'une question précédente. Ouais. Tous les moyens sont bons. By any means necessary. Okay. Parce que, vous savez, c'est formidable. De Chevron a fait ce film. Et alors oui, ça fait polémique, mais ça fait débat. Et là, ça devient intéressant. Et puis, je peux pas lui prêter de mauvaises intentions. Non, alors effectivement, on essaie de parler au plus grand nombre. Donc, alors c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu survolées, comme ça. Mais il faut pas s'arrêter aux clichés. Il est pas con. S'il a mis un peu ses clichés en avant, c'est justement pour que, voilà, mettre ça aux yeux des Français et qu'on puisse débattre. Alors oui, forcément, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Moi, je suis pour tous les moyens sont bons. Voilà, pour mettre ça sur la table et qu'on en parle tranquillement. Mais est-ce qu'il faut forcément débattre lorsque l'on a un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ou alors est-ce qu'on peut rire de bon cœur tout simplement sans en discuter derrière? Oui, on peut rire, on n'est pas obligé. Ouais. Moi, il faut que les gens se sentent libres. Comme j'ai dit dans le film, vous voyez, le petit blond fait de la danse africaine, le petit noir fait du piano. Alors il me dit, t'as inversé, le petit blanc, il est devenu noir. Non, j'ai inversé peut-être le cliché. C'est-à-dire ce que les gens pourraient imaginer, que le noir, il est noir, il fait de la danse africaine.
africaine, et l'autre, il est blanc, ouais. Il joue du Chopin. Non, c'est un truc sur la liberté. Vous êtes blonde, ouais. Vous avez le droit d'être prof de maths. Vous êtes femme, vous avez le droit de conduire un camion. Vous voyez, t'es noire, t'as le droit de faire du piano, et t'es blanc, vous voyez, ouais. c'est sur la liberté. Voilà, je prône la liberté. Voilà, et de ne pas se laisser enfermer par le cliché. Le pari de France 2 avec votre fiction est assez audacieux, on peut dire, parce que contrairement à la majorité des fictions diffusées à la télé, c'est pratiquement que des polars. Là, ce n'est pas un polar. Ouais. Pour, ouais. pour une fois, quels mots vous avez employés pour convaincre justement les dirigeants de France Télé qu'il fallait se jeter à l'eau? Alors, mon cher Philippe, j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu de mots pour les convaincre. C'est eux qui ont trouvé les mots pour me convaincre. Voilà, et je les en remercie vraiment, vraiment du fond du cœur de m'avoir confié cette mission et fait confiance parce que ce n'était pas gagné. Un mot justement également sur la fiction, les personnages dont on parlait hein, de couleur noire, vous dites que ce n'est pas un film sur les noirs, pas les noirs, etc. Ce n'est pas le sujet, mais on voit quand même qu'il y a très peu d'acteurs de couleur dans les fictions, notamment françaises, ce qui n'est pas le cas des fictions américaines. Mmh, c'est quoi, les grands patrons, ils ont peur non, de la couleur non, de peau? Non, oh, les grands mots, les grands patrons, tout ça, non, ils sont tous au foot. C'est vrai, vous avez raison. Je te dis. Alors là, je vais me faire tuer. Mais oui, foot, rap, là, il n'y a pas de problème. Il y a plus de place pour les acteurs. C'est un problème d'orientation. Maintenant, comparativement aux États-Unis, parlons-en. Aux États-Unis, il y a 40 millions de Noirs à qui on a dit démerdez-vous à une époque. On leur a dit qu'ils n'avaient même pas le droit d'aller dans les mêmes toilettes. Donc à un moment, les mecs, ils ont dit on va faire notre cinéma. Et ce sont 40 millions de Noirs américains. Nous, en France, la notion de noir, elle est difficile à définir puisque les origines sont diverses. Il y a les Noirs un peu de France, comme moi, issus de l'outre-mer. Il y a les Noirs d'origine Afrique subsaharienne, etc., avec des religions, des cultures, tout ça très, très différentes. Donc avant de trouver une espèce de point commun, ce n'est pas facile. Bon, mais pour revenir à la télé, non, je crois que les comédiens noirs, les scénaristes noirs, les producteurs noirs, enfin voilà, tout ça, auront la place qu'ils prendront. Il faut la prendre. On a l'exemple avec Omar Sy qui est magnifique. Ouais. Hein, ça prouve bien que quand Toledano Nakash, Omar Sy, Cluzet se mettent ensemble et offrent une œuvre sublime, intouchable, 20 millions de téléspectateurs, eh bien c'est un ensemble de gens qui très différents qui se sont mis ensemble pour apporter une œuvre française. Voilà, c'est ça que je prône. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a un petit retard, comme il y a un retard pour les femmes dans le cinéma, en politique. Pourtant, on a fait des lois sur la parité, etc. Le retard était pris. Eh bien, lentement, on va se battre. Tous ensemble, il n'y a pas les noirs d'un côté. Non, il faut qu'on fasse avancer les choses tranquillement pour qu'il y ait une espèce d'équilibre, de parité, pour que chacun s'y retrouve, tout simplement. On va se battre, je vais appuyer votre propos. Hein. Le CSA a analysé une vingtaine de chaînes durant 15 jours. Les personnes perçues comme blanches, entre guillemets, sont représentées à hauteur de 83% à la télévision. Alors, est-ce qu'il faut être favorable à une règle des quotas ou Tous les moyens sont bons. Mettons des quotas le temps que... Voilà, et puis après... Et puis une fois que tout le monde sera à l'aise avec tout ça, eh bien, on continue. Je veux dire... vous savez, après, au-delà de ça, il y a des histoires de code du cinéma. Je vais rester dans le cinéma. Hein. Mais c'est... On est encore des codes archaïques. Si vous voulez, le boucher doit être encore ventru, machin, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire évoluer. Et quand on voit certains réalisateurs américains, des artistes américains qui, eux... vont tordre le cou à ça. Je pense à un film qui s'appelle Fargo, où la flic, c'était McDormand, elle était enceinte, alors que sur le papier, on voit bien que c'est une vieille flic, rondarde. Ah ben non, il s'amuse, il casse les codes. Et en cassant ces codes, eh bien, on arrive à avoir quelque chose de génial. C'est vers ça qu'il faut tendre, essayer de sortir de tous ces clichés, de cette carapace, pour faire évoluer. Voilà. Vous savez, je donne aussi cet exemple. Quand Picasso a commencé à faire des têtes carrées, tout le monde a dit, mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben oui, il a créé le cubisme. Voilà, faisons du cinéma cubique. C'est une bonne idée. Le thème de votre prochain film, vous travaillez déjà sur un nouveau film? Ouais, je réfléchis, mais j'aimerais bien raconter mon enfance en banlieue, quand je suis arrivé dans les années 70, où il y avait beaucoup plus d'espoir qu'aujourd'hui. Voilà, de parler de cette période où on y croyait, comment on est passé de l'espoir au désespoir. J'ai envie de parler de ça. Et une période où on ne nous disait pas « ta culture, elle est là-bas ». On était là tous ensemble pour la France. Et puis, il faut qu'on continue à travailler pour que la France reste ce beau kaléidoscope. Voilà. C'est dit. Alexandre, justement, on va prendre sa question. Avec quel acteur ou actrice rêveriez-vous de jouer? Oh là là, mais avec tous? Avec tous? Non, vous savez, alors on va rester en France, hein, parce que les États-Unis, on va les laisser tranquilles. Hein, ils sont suffisamment là. Donc, même si les États-Unis vous appellent. Oui, bien sûr. Non. Mais j'irai pour l'argent. Non, en France,
y a des gens, vous voyez par exemple, mon premier long métrage, ça s'appelait Du bleu jusqu'en Amérique, et j'ai tourné avec Marion Cotillard, elle avait 18 ans. Ah ben vous voyez, c'est quelqu'un à qui j'aimerais bien retourner, voilà. D'accord. Par exemple. Et moi en tant qu'acteur, j'aimerais bien, vous voyez, qu'un jour un mec comme Audiard m'appelle, ou Toledano Nakash, enfin tous les mecs qui font des choses bien quoi. Ouais. Le message est lancé, on transmettra. Ouais, ouais. Il a déjà tes yeux, hein, le long métrage avait fait un véritable carton au cinéma, a rencontré plus d'un million de spectateurs à l'époque. Votre série, en l'occurrence, l'a obtenu déjà le prix coup de cœur du jury au festival de Luchon. L'audience ce soir, c'est un enjeu pour vous ? Finalement, vous dites, bon, bah, moi j'ai fait mon job, maintenant on verra alors, ce qui se passe. Alors, les deux. Alors, moi, là, pour l'instant, je dis, voilà, moi j'ai fait mon job, comme vous avez dit. Ouais. Voilà. Et évidemment, ce soir ou demain, on aura les chiffres et forcément, on préfère avoir 20 sur 20 que 17. Le mec qui sait déjà qu'il aura 17. Non, je pense que j'ai rendu une bonne copie. Maintenant, voilà, il y a trois soirées. J'espère que les spectateurs prendront conscience de l'importance, de l'aspect historique aussi de ça. Une famille comme ça, on en a rarement vu. Et puis, comme vous avez souligné, c'est vrai qu'on n'est pas dans le thriller. C'est une quête beaucoup plus humaniste. Voilà, donc j'espère que les Français vont être sensibles à ça. Les Français aiment l'émotion aussi. Oui, 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 voilà, il y en a beaucoup, hein, mais bon, je ne vais pas tout dévoiler. Si le public répond largement présent, hein, sur France 2 ce soir, vous envisagez déjà une deuxième saison ? Ah bah, il faudra, si le public demande, vous savez, nous sommes au service du téléspectateur, donc s'il le demande, bon bah écoutez, à ce moment-là, on s'organisera. C'est dit. Damien, dernière question. Oui, on salue. Dernière, hein, t'as vu. Pardon. Qui a hâte de voir la série parce qu'il a vu le film et il a adoré. Mm-hmm. Et on va prendre une question de Camille par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la banlieue. Comment expliquez-vous que les Français soient désormais repliés sur eux-mêmes ? C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure quand vous pointiez du doigt le fait que maintenant on a une communauté et on y reste. Comment vous expliquez ça ? Oh là là, on a deux heures. Non, non, il faut. c'est tout ça. C'est que les gens se sont enfermés dans les choses dans lesquelles on les a enfermés aussi. Et c'est pour ça que cette série doit être là aussi. Pour, vous savez, ce qu'on appelle le fameux, en ce moment, tout le monde aime bien ce mot, et je trouve pas mal, du commun. Ouais. Il faut qu'on trouve du commun. Alors avant, c'est vrai qu'il y avait le 14 juillet, on allait tous se défiler, tout ça. Mais maintenant, tout ça a sauté, l'armée n'est plus obligatoire, tant mieux, je ne sais pas, bref, qu'importe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve du commun. Et j'espère que des séries comme celle-ci feront le commun. C'est-à-dire qu'on se retrouvera tous autour d'un objet artistique. Vous voyez, il faut qu'on multiplie les manifestations pour le commun, pour le fameux vivre ensemble. Mais moi, j'aime pas trop la notion de vivre ensemble parce qu'on n'est pas obligé de vivre ensemble. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément bonne haleine. mais déjà, essayer d'arriver à vivre les uns à côté des autres, ce serait déjà la première étape. Et c'est ça qui nous manque. Et voilà, créer du commun. Parce que regardez, dès qu'on gagne une belle compétition sportive, ah, ça y est, on est tous ensemble. Dès qu'il y a un événement terrible, ah, on est tous ensemble. Ouais. Alors, on va éviter les événements terribles pour se retrouver. Mais essayons par la culture, voilà, que les gens se ensemble, voilà, modestement. Beau projet. Très rapidement, Lucien, notre rubrique sucré-salé, vous allez être obligé de faire des choix draconiens. Ah, moi, c'est terrible parce que j'aime l'aigre doux. Alors, sucré-salé, on vous l'a dit, vous avez deux propositions, et évidemment, vous devez en choisir qu'une seule. Je dis sucré ou salé. C'est un peu, voilà, d'accord. C'est le choix. Tom Villa ou Aurélien Wick ? Oh, mais vous êtes fous. Ben, les deux. Non, je vais choisir. Ouais. Oh non, mais vous êtes fous. Non, je vais dire Tom Villa parce que Vic, il sait. Aurélien, il sait. La comédie ou le drame ? Ah là 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 là. Ben, la comédie dramatique, hein. La comédie. Ouais. La dramédie, comme on dit maintenant. Ouais, ouais, ça, je ne sais pas tous ces nouveaux mots. Oui, ils disent ça, mais j'arrive pas le. La télévision ou le cinéma ? Ah, le cinéma. Et pourtant, je suis à la télé. Yeah ! Non, le cinéma, parce que ça finit à la télé, donc tout va bien. Alors que l'inverse n'existe pas. Et là, ça va être un cruel dilemme. Il a déjà tes yeux ou Munch ? Je suis désolé. Munch. C'est bien, il faut surprendre. Vous nous avez scotché. Faut surprendre. Merci Lucien Jean-Baptiste d'être venu dans le buzz. Vous restez encore quelques instants avec nous. Parce qu'on vous rappelle qu'on vous retrouve donc c'est dès ce soir en prime time 21h05 sur France 2. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Oui, ce sera une chanteuse qui est nommée aux Victoires de la musique. Et oui, nous l'avons aussi découvert dans The Voice. Elle est adorable, on l'a reçue ici sur ce plateau. Il s'agit de Maëlle qui participera aussi également aux Enfoirés. Elle aura un mot également sur ce spectacle. Merci Damien, merci encore, très bonne journée et merci Lucien. Donc, merci beaucoup. Ce soir, en prime time, France 2, on ne fait que ça. 21h, c'est parti. Il y a les replays aussi, hein, donc...